C'est plutôt une approche liée à l'édition pédagogique telle qu'elle est. Bon, une réflexion nécessaire sur la formation de base. Alors revenons à la DNE. De services, vous venez en charge de ces services. Voilà. On a beaucoup parlé du numérique éducatif. Et en fait, l'activité de ce service, des technologies, des systèmes d'information, peut-être pourriez-vous nous dire en une année quelle a été votre action essentielle, quels ont été les axes de développement, les stratégies et puis les aboutissements de votre action sur ce service. Alors, d'abord, effectivement, c'est un travail collectif. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'informatique, donc la partie informatique du ministère, c'est 2300 informaticiens. 2300 informaticiens, 140 donc, au service des technologies et des systèmes d'information. En gros, 500 dans des missions nationales qui travaillent au sein des académies, mais qui travaillent au profit essentiellement donc de développement nationaux ou du fonctionnement national de l'informatique, et puis le reste qui est lié au fonctionnement informatique de l'académie, depuis l'assistance jusqu'à des développements locaux ou l'appui à la stratégie académique sur le sujet. Ma grande ambition, c'est qu'on travaille de plus en plus à 2300. C'est de créer véritablement un système d'information du ministère. On ne va pas dire qu'il n'existait pas, mais qui était probablement un petit peu trop hétérogène, avec des morceaux qui se parlaient probablement pas suffisamment, et avec une vision qu'on avait du mal à consolider pour rendre compte de son efficacité, de sa connaissance et de son fonctionnement. Donc l'ambition, qui va s'étaler sur plusieurs années, c'est de consolider la vision du système d'information du ministère. Alors, en ça, rien de bien nouveau, parce que finalement, c'est aujourd'hui les préconisations que l'interministériel donne à l'ensemble des ministères, avec la création d'une direction interministérielle des systèmes du numérique et des systèmes d'information et de communication, qui est là aussi pour donner cette vision, être un petit peu le chef d'orchestre sur l'ensemble des sujets qui sont transversaux. Et nous, on décline ça au niveau des ministères. Alors, ça se traduit par plein de choses. Ça se traduit par la nécessité de se poser des questions sur la pertinence de développer 30 fois la même chose dans 30 académies différentes. Donc, il y a probablement des enjeux de mutualisation sur un certain nombre de domaines. C'est aussi des enjeux, on fait le lien un petit peu avec la suite, des enjeux de transformation, parce que l'informatique et le numérique, c'est pas tout à fait la même chose. L'informatique, c'est un petit peu le sous-jacent technologique des usages numériques, mais du coup, il faut faire évoluer, il faut apprendre des technologies au niveau de l'informatique, il faut apprendre des pratiques nouvelles. Donc on a mis en place du développement agile. En prenant appui sur des projets qui étaient urgents, qui étaient pilotés par le cabinet, etc. L'idée, c'est que les informaticiens soient à bord de la transformation numérique. Il y a des endroits, dans le secteur privé, etc., où on dit, les informaticiens, on les laisse de côté. Ils s'occupent des systèmes informatiques de gestion, etc. Puis le numérique, on va donner ça au marketing, on va donner ça aux branches, etc. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est que tout le monde soit à bord de la transformation numérique du ministère. Donc, ça veut dire que sur les 2300 informaticiens, une partie des informaticiens qui vont voir leur métier évoluer fortement dans les prochaines années, pour basculer peut-être de sujets sur lesquels ils ont aujourd'hui une dominante très technique, sur des sujets qui pourraient être mutualisés, pour basculer beaucoup plus sur des sujets orientés vers l'usager, vers le développement de nouveaux services, de services en ligne, vers des développements de services pédagogiques numériques. Voilà. Alors, parlons de la DNE globalement. Elle est maintenant bien identifiée par tous les acteurs. Oui. C'est un instrument de coordination et de pilotage du numérique pour l'éducation construit dans une démarche participative. Je ne fais que citer ce que disait Catherine Beghetti-Bizot. Quel regard vous portez sur cette direction, alors globalement, aujourd'hui ?
C'est une direction, je pense, qui est passionnante, qui est, je pense, une forme de clé de voûte de tout un tas de transformations à venir. On est effectivement à la croisée de tout un tas de sujets, de chemins qui sont ceux que je commençais à effleurer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans la modernisation du service public, on est dans la transformation de l'acte pédagogique, on est un petit peu la direction de la transformation du ministère. Alors on l'incarne évidemment avec les autres directions, ça n'a pas de sens. On est juste effectivement le poil à gratter, le précurseur, et puis à un moment ou à un autre, le coordinateur, le pilote d'un certain nombre d'impulsions qu'on peut donner. Mais c'est cette ambition-là qu'on a. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts pour effectivement continuer dans ce sens-là, pour porter là-dessus. Je pense qu'on a une association extrêmement riche entre effectivement la culture informatique, culture d'ingénieur, hein, culture d'ingénieur, culture de projet, etc. Et la culture du développement des usages, très orientée, des usages pédagogiques, très orientée sur ce qui se passe dans la classe, très orientée sur l'innovation, très orientée sur la pédagogie. Et cette rencontre est extrêmement fructueuse au sein de la maison, avec une logique, un continuum qui est, enfin pour moi, qui me paraît complètement évident. À un moment, pour que ça marche dans la classe, pour que les usages se développent, il faut aussi qu'il y ait des gens qui s'occupent des infrastructures, etc. Et le background, le lien entre le front office, ce qu'on met à disposition, et le back office, ce qui fait que ça marche, il est assez indispensable. Et je pense que c'est une intuition formidable que le ministère a eue en créant la direction du numérique. D'ailleurs, on fait des émules, puisque au niveau des services du Premier ministre, la direction informatique des systèmes d'information de l'État, eh bien, c'est marié avec la structure qui pilotait le développement des usages du numérique au sein du SGMA pour créer la direction interministérielle du numérique, et ça après nous. Donc, je pense que il y a des signes qui ne trompent pas. C'est le signe aussi que le ministère parie sur la transformation et pas la rupture. Parce que, à nouveau, on peut laisser les deux vivre séparément jusqu'au moment où le fossé est beaucoup trop grand et où les choses se raccordent plus, se raboutent plus et on est à la rupture. Là, c'est le pari de la transformation, le pari qu'on peut faire en sorte que les informaticiens apportent encore plus de services au développement des usages pédagogiques et, à contrario, que les usages pédagogiques peuvent être soutenus et s'appuyer réellement sur des choses solides pour passer le cap de l'innovation et passer à la généralisation, parce que l'enjeu aujourd'hui du ministère, c'est celui-là. C'est, ok, on a innové, ça fait 10 ans qu'on regarde ce qui se passe dans le numérique et ce qui se passe dans la classe, etc. On a des éléments qui nous prouvent qu'il y a un intérêt pédagogique à ça. Bon, ça sert à rien de répéter, je sais pas combien de dizaines de milliers de fois ou de centaines de milliers de fois cette découverte. Au bout d'un moment, les découvertes de l'intérêt, eh bien, il faut les essaimer. Et puis, il faut les déployer, etc. Donc, on est à cette étape-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à chercher d'autres usages. Donc, maintenant, on est obligé de gérer les deux en même temps, l'innovation et puis la généralisation.